Je vais quand même me présenter un petit peu plus. Je suis Jean-Marie Letor, je suis médecin urgentiste retraité. J'ai travaillé au SAMU à Brest. Voilà. Alors, c'est un sujet un petit peu compliqué ce soir. Est-ce qu'il y a des médecins dans la salle? Non? Dommage. Alors, il y a des diapositives qui vont être un petit peu complexes. Vous n'allez peut-être pas tout saisir, mais je les ai laissées parce que c'est pour vous montrer la complexité de notre organisme, de notre fonctionnement, et le moindre grain de sable dans le fonctionnement de cet organisme peut entraîner des catastrophes. Alors c'est pour ça que je les ai laissés. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les laisse? Est-ce que je les laisse pas? Est-ce que je suis trop scientifique ou pas? Vous me direz après. Il y a peut-être des diapositives que je vais passer parce que j'aimerais bien que vous puissiez avoir le temps de me poser des questions aussi. Alors, l'épigénétique, ou comment notre alimentation, nos comportements et notre environnement influencent nos gènes? Grande question. Alors, il y a eu une belle affiche de fait, et moi j'en ai fait une deuxième. Désolé, parce que l'influence sur nos gènes peut être toxique, et là, bon, il y avait toute une série de noms qu'il ne faudrait pas voir, qu'il faudrait disparaître. Et là, vous avez autre chose. Vous avez resvératrol, ginestéine, sulforaphane. On va en parler après. Et tout ça, ce sont des molécules qui sont dans les fruits, dans les légumes, et qui nous apportent beaucoup de bienfaits, et qui nous protègent des maladies cardiovasculaires, neurologiques, qui nous protègent des cancers aussi, et qui peuvent aussi combattre les cancers. Alors je me base surtout sur des études que je contrôle, que je vérifie. J'aime bien toujours expliquer comment je travaille. Je regarde les auteurs. Est-ce qu'ils ont des conflits d'intérêts? Où est-ce qu'ils travaillent? Je regarde où est-ce que l'étude scientifique a été publiée, parce que bon, il y a des revues scientifiques avec comité de relecture et sans comité de relecture. En général, les industriels publient dans les revues scientifiques où il n'y a pas de comité de relecture. C'est plus facile à diffuser. Parce que bon, on sait très bien qu'il y a une grosse manipulation des études scientifiques par les industriels. Et ensuite, je regarde la méthodologie. Est-ce qu'on peut faire confiance à la méthodologie? Est-ce qu'elle est bonne? Voilà. Alors, il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont des études scientifiques américaines. Et je dirais qu'au niveau épigénétique, c'est 100% des études. Parce qu'en France, on a énormément de retard dans ce domaine. Alors, je vous ai mis toute une série de fruits, de légumes, là, et vous verrez pourquoi par la suite. Alors, vivre sainement en modifiant notre alimentation, nos comportements et notre environnement pour rester en bonne santé, pour transmettre génétiquement de bonnes informations acquises, vous vous rendez compte, on peut transmettre à ses enfants, ses petits-enfants, de bonnes informations génétiques, acquises pour bien vieillir, pour combattre des maladies. C'est en partie possible, je dis en partie, parce que toutes les maladies chroniques, les cancers, sont multifactorielles. On ne peut pas dire, tiens, je vais vivre comme ça, je n'aurai pas de maladie. Non, ce n'est pas vrai. On va diminuer le risque de 60-80%. Mais diminuer un risque de 60-80%, c'est déjà énorme. Alors, les 20 premières diapositives vont être un petit peu compliquées. Je suis désolé, il y a des jeunes dans la salle, ils vont peut-être apprendre plein de choses. Alors, qui sommes-nous? On a un corps humain avec des gènes. Les gènes, c'est notre base de données, mais simplement, uniquement notre base de données. C'est tout. Alors, il y a aussi l'épigénétique. C'est une grosse machinerie que je vais vous expliquer ce que c'est après. On va rentrer tout progressivement. Et qui rend chaque être unique. Même deux jumeaux, deux vrais jumeaux, sont différents. Parce qu'il y a l'épigénétique. Vous allez comprendre ça après. Et puis, notre environnement, mais vraiment au sens large du terme.
L'environnement, c'est l'environnement social, l'alimentation, c'est tout ce qui nous entoure, toute notre vie au quotidien peut être toxique sur le plan épigénétique. Et quand c'est toxique, c'est souvent imposé. Les pesticides, si on demandait notre avis, on n'en veut pas, mais on nous les impose. Et puis, ça peut être bénéfique aussi, mais bon, souvent ignoré, parce que la plupart des personnes ne connaissent pas quel est le mode de vie, quelle est l'alimentation qu'il faudrait adapter pour rester en bonne santé ou éviter certaines maladies. Tenez-vous bien, vous êtes bien assis. Aux États-Unis, il y a des mutuelles qui remboursent des stages à des malades pour leur faire apprendre comment vivre et comment manger pour améliorer leur état de santé. Et là, ils agissent sur l'épigénétique, des mutuelles privées aux États-Unis. C'est pour dire que ça marche. Mais seulement, bon, en France, épigénétique, c'est l'environnement. Nos hommes politiques pensent que tout est dans la génétique. Si on est mauvais, si on est violent, c'est à cause de la génétique. En fait, l'épigénétique intervient énormément. Ça va ? Bon, on va continuer. Qui sommes-nous encore ? Le corps humain est composé d'un million de milliards de cellules. Ça fait beaucoup, hein ? C'est énorme. Et chaque cellule contient un noyau qui mesure 0,07 mm. Chaque noyau contient notre ADN. Notre ADN, il est issu de la mère et du père. Un morceau d'ADN qui vient du père, du mère, et ça mesure 1 mètre. Dans 0,07 millimètre. C'est à l'étroit, quand même. Alors, ça fait au total 4 millions de milliards de mètres d'ADN, soit 20 fois la distance Terre. Lune, c'est marrant. Je mets toujours ça parce que ça montre un petit peu. Et l'ADN comporte 20 000 gènes. Alors on fonctionne avec ça. Ah, oui, il manque un zéro, effectivement. Merci beaucoup. Ça montre que vous suivez. Il va falloir. Et. Alors c'est 20 000 là. Et notre corps contient ce qu'on appelle le biotope, c'est les petites bactéries qui nous sont très utiles. Elles sont 15 fois plus nombreuses que les cellules. Eh oui, 15 millions de milliards dans notre corps. Elles nous font un tas de choses. Elles interfèrent aussi avec les gènes. Elles interfèrent au niveau épigénétique. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et elle nous fabrique aussi des substances, des bactéries intestinales, par exemple, nous fabrique des protéines qui nous aident à combattre le diabète. Ah voilà, un petit dessin, là. Donc, pour résumer, la cellule, le noyau, notre chromosome et notre ADN qui est au niveau du chromosome. Alors, notre ADN, il est vraiment très grand, il est à l'étroit dans le noyau. Et en fait, il est entouré sur des protéines qu'on appelle des histones. Alors, les protéines, elles sont là, l'ADN est autour, et les protéines, les histones qui sont un support, vont interférer avec l'ADN. Je vous explique ça, c'est parce qu'il va y avoir des phénomènes épigénétiques au niveau des histones, de ces fameuses protéines qui supportent l'ADN. Et il faut s'imaginer qu'un ADN d'un mètre de long, enroulé comme ça, y a des gènes qui vont peut-être avoir des difficultés à fonctionner. C'est un peu serré. Alors, comment notre ADN transmet-il les informations à la cellule ? Parce que notre ADN, il est dans le noyau. Et en fait, à partir de l'ADN, il se crée d'autres molécules, l'ARN, ce qu'on appelle l'ARN messager, et qui, eux, sont tout petits. C'est des petits morceaux. Et ils peuvent sortir du noyau, vont dans la cellule au niveau des ribosomes. Et là, le ribosome fabrique des protéines. Et ça permet à la cellule de fonctionner.
D'accord? C'est pas trop compliqué, ça va, pour l'instant? Mais alors, le problème, sur les 20 000 gènes, ben, il n'y a que 2% de l'ADN qui est codant. Ça veut dire que 2% qui fabriquent des protéines. Alors, pendant un moment, quand on a découvert ces subtilités, on s'est dit, tiens, il y a 98% de notre ADN qui ne fout rien. Et il l'avait appelé ADN poubelle. Malheureusement, l'ADN poubelle, les 98% qui restent, vous allez voir, c'est lui qui fait un énorme boulot au niveau épigénétique. C'est bon ? Alors, pour l'instant, on est uniquement, je vous explique simplement la génétique, là. On n'est pas encore dans l'épigénétique. Alors, les toxiques chimiques ou physiques environnementaux peuvent entraîner des lésions de l'ADN. Alors, que se passe-t-il ? Alors, les toxiques physiques, chimiques, environnementaux, on a un dégât de au niveau de l'ADN, et régulièrement, il y a une espèce de tête de lecture qui va passer sur l'ADN. Et qui s'arrête. Ah, là, il y a une lésion. Il y a des enzymes qui vont découper l'ADN, où il y a la lésion, et ensuite, ça va être réparé. C'est merveilleux, hein? Donc, détection des dommages, système de réparation, ADN réparé. Sauf qu'on est soumis à des toxiques physiques et chimiques régulièrement, et qu'au bout d'un moment, le système de réparation, il fait un burn-out. Il y a trop à réparer. Donc, s'il y a trop à réparer, il y a des mutations qui vont se produire, et donc des maladies génétiques et des cancers. Parce que l'ADN ne peut pas être réparé. Par contre, si le dommage est très important, régulièrement, il y a un contrôle avant que la cellule se divise. Et si le dommage est très important, la cellule ne va pas se diviser, mais va mourir. Alors, petite réflexion, quand on a une grosse dose de toxiques chimiques ou une grosse dose de radiation, ça entraîne une grosse lésion, la cellule a mort. On est tranquille, il n'y a pas de problème. Si on répète des toutes petites doses de radiation ou de toxique, la cellule ne meurt pas. Et elle n'est pas forcément réparée. Et à ce moment-là, apparaît des pathologies, des cancers, des pathologies chroniques. OK ? Alors, quand on nous dit « Oh, mais c'est pas grave !» C'est une petite radiation, Tchernobyl, non, c'était pas fort, c'est passé. Et puis en plus, il y a une partie qui s'est arrêtée à la frontière. Les toxiques, les pesticides, les résidus dans les aliments, mais c'est pas grave, vous dépassez pas la dose toxique, mais c'est accumulé. Mais c'est celles-ci qui sont dangereuses. Si c'était vraiment très important, la cellule, elle mourrait. Là, elle ne meurt pas. Non, elle va entraîner des problèmes. Si l'ADN n'est pas réparé, ça va provoquer des maladies. Alors, quand on me dit que c'est pas, les petites doses, ce n'est pas grave, la dose journalière admissible, ben, ça me fait rigoler. La dose journalière admissible, c'est pour rassurer, et puis, ben, ça rend malade. OK ? C'est bon ? Je n'ai pas trop compliqué pour l'instant ? Il faut me le dire, hein. S'il y a un truc que vous ne pigez pas, que vous ne comprenez pas, vous levez la main. Les questions, ça sera à la fin, mais bon, s'il y a un gros problème, puis bon. Alors, chaque cellule contient le même ADN. Toutes nos cellules ont le même ADN. Alors, pourquoi un cœur est un cœur et ne se transforme pas en autre chose ? Parce qu'en fait, il y a une partie des 20 000 gènes qui vont être bloqués. Et les cellules seront uniquement des cellules qui vont être pour le cœur. Elles vont se diviser et le cœur fonctionnera comme un cœur. Si on débloque tous les gènes au niveau de l'ADN des cellules du cœur, le cœur devient un cancer. Donc là, c'est un phénomène épigénétique. C'est-à-dire que l'épigénétique, vous allez commencer à comprendre, ça permet de bloquer des gènes, de les fermer.
ce que les scientifiques appellent une méthylation de l'ADN. Alors la méthylation peut être totale au niveau d'un gène ou partielle. Vous voyez, ça commence à être compliqué. Hein. Donc, les micro-ARN, c'est un truc qu'on a découvert. Les micro-ARN, c'est de tout petits ARN qui vont sortir du noyau, mais aussi qui vont sortir de la cellule. Et eux, ils sont fabriqués par les 98% d'ADN qui seraient inutiles, qui seraient non codants. Et donc, il y a une interférence entre toutes les cellules de l'organisme grâce aux micro-ARN. Et les micro-ARN peuvent venir bloquer des gènes au niveau des chromosomes. C'est assez complet, je ne rentre pas dans les détails, parce que, bon, l'épigénétique, il y en a pour des dizaines et des dizaines d'années pour étudier et comprendre tout ça. Les micro-ARN, on les a déterminés pour certains. Ils ont des numéros, des noms, et on sait comment ils fonctionnent. Et puis, donc, à cause de cela, bah, deux jumeaux ne sont pas semblables, parce que l'épigénétique va commencer dès la conception. À partir du moment où l'ovule et les spermatozoïdes se rencontrent, paf, il y a l'épigénétique qui intervient déjà. Il y a des modifications à cause de l'environnement sur l'ADN. Donc, deux vrais jumeaux, auront les mêmes gènes, mais ils ne seront pas bloqués de la même façon. Donc, ils seront différents. Et deux vrais jumeaux, un pourra développer une pathologie chronique, l'autre, non. Alors là, j'espère que vous allez suivre. Génotype, phénotype. Génotype, parce que j'ai été obligé de donner des définitions, désolé. Hein. C'est un peu trop scientifique, peut-être, mais bon. Le génotype, c'est le gène, c'est l'ensemble des gènes. Et phénotype, c'est l'expression des gènes en fonction des gènes qui sont bloqués ou pas bloqués. Et gros mystère, au sein d'un organisme, d'une seule personne, on peut avoir plusieurs phénotypes différents. C'est-à-dire que les gènes bloqués vont être différents d'une cellule à l'autre, et aussi même dans un organe ou un tissu. Vous voyez, c'est très, très complexe. Je vous explique pour tout ça pour vous faire comprendre que le moindre grain de sable là-dedans, ça peut être une catastrophe. Donc, le corps humain est une mosaïque phénotypique. C'est bon ? C'est pas trop dur, non ? Alors, c'est une machinerie complexe. Et puis là, j'ai mis un petit truc sur le chromosome X, c'est assez amusant. Les femmes ont deux chromosomes X et les hommes X et Y. Si les deux chromosomes X fonctionnent, le fœtus n'est pas viable. Il meurt. Automatiquement, il y a un chromosome X qui va être complètement bloqué par l'épigénétique, complètement méthylé. Il est fermé. Donc, il y a un chromosome X chez la femme qui provient de la mère, un autre du père. Et d'une cellule à l'autre, ça ne sera pas le même chromosome X qui sera bloqué dans le même corps. Vous voyez un peu le truc, la conception de l'organisme, comment c'est compliqué, quoi. Et là, les blocages, c'est ce qu'on appelle de l'épigénétique. Hein. On rajoute des groupements méthyl sur l'ADN. Hein, ça, c'est le gène. Si on enlève le groupement méthyl, le gène, il fonctionne. Si on le rajoute, il arrête de fonctionner. C'est ça, l'épigénétique. Hop. Alors, un autre truc, mais là, je ne sais pas si vous allez suivre l'empreinte parentale. Donc, vous avez compris qu'on a deux gènes, deux chromosomes, un qui vient du père, un de la mère. Pour chaque gène, il y a un gène de la mère et du père. C'est une assurance tout risque. Parce que s'il y a un gène qui est lésé, l'autre peut fonctionner. Bon, ça va. Seulement, le problème, c'est que de temps en temps, il y a un gène qui ne va pas fonctionner. Il n'y en a qu'un seul. C'est ça l'empreinte parentale. Et ça, c'est physiologique, c'est normal. Donc, il y a des cellules où les deux gènes vont fonctionner, père-mère.
Dans d'autres, ça sera que le père, et dans l'autre, ça sera que, dans d'autres cellules, ça sera que la mère. Ça va, c'est pas trop compliqué. Bon, et je vais reparler tout à l'heure de l'empreinte parentale, et vous allez comprendre pourquoi je vous en parle maintenant. Il y a un petit dessin, je crois, après. Voilà. On prend la mère, gène à empreinte parentale. Le gène est non exprimé chez sa fille, non exprimé chez le garçon. Par contre, celui qui vient du père fonctionne. Et dans la descendance, chez la fille, ça sera non exprimé, quel que soit le sexe, sauf chez le garçon, ça sera exprimé, quel que soit le sexe. Et chez le père, on se retrouve avec l'inverse. C'est encore un truc, on n'a pas beaucoup d'explications à ce phénomène, mais c'est pour vous montrer un petit peu cette machinerie qui est très complexe. Alors, notre environnement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est feu vert, feu rouge, c'est on-off, et c'est la méthylation des gènes qui est liée à la chromatine qui fait qu'on bloque totalement ou partiellement les gènes. C'est bon, c'est pas trop compliqué ? Un peu, oui. Vous allez vous endormir. Vous allez dire, qu'est-ce qu'on est venu faire ici ? Il nous fait un cours de médecine. C'est vraiment, on est dans le domaine de la biologie moléculaire, là. C'est un truc de fou, quoi. Alors, l'épigénétique, comment ça marche ? Notre environnement. L'épigénétique, vous voyez, là, ça ne donne pas de lésion de l'ADN. L'ADN reste intact. On va acquérir des nouvelles informations qui peuvent être bénéfiques ou néfastes pour la descendance, avec des phénomènes transgénérationnels. C'est-à-dire que dans les générations futures, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ça peut aller jusqu'à la cinquième, on peut avoir une transmission de cette information qu'on a acquise. Parce que, voilà, à un moment donné, on a bloqué un gène à cause de notre environnement, à cause de l'alimentation. Alors, ça peut être bénéfique ou néfaste. Par contre, chez la personne elle-même, on peut avoir des effets néfastes et puis avoir des pathologies chroniques ou des cancers qui apparaissent. Et aussi, on peut avoir des effets bénéfiques préventifs ou curatifs qui peuvent agir. Préventif, ça va empêcher le développement de certaines maladies. Curatif, ça va aider le traitement des maladies. On va voir après comment on peut faire. Alors, comment ça marche les actions épigénétiques transgénérationnelles ? Je bois un coup, comme ça vous avez le temps de réfléchir un peu. Excusez-moi, je suis un peu fatigué en ce moment. Je passe à peu près 3 heures par jour à étudier toutes ces études pour essayer de constituer des conférences et d'être le plus simple possible. Mais là, on est dans un domaine... Alors, les effets transgénérationnels, en fait, c'est des effets épigénétiques chez les spermatozoïdes et les ovules, à savoir que les spermatozoïdes, eux, ils se développent à partir de la puberté chez l'homme et toute sa vie. Donc, le danger... pour les effets transgénérationnels, chez l'homme, chez le garçon, c'est tous les toxiques toute sa vie. Par contre, chez la fille, les ovocytes se fabriquent pendant la grossesse. Et quand la petite fille est née, elle a tous ses ovocytes. Donc, s'il y a des toxiques chez la femme enceinte d'une petite fille et qui agissent sur les ovocytes de la petite fille, les effets seront ensuite transgénérationnels. D'accord ? Ok ? Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué ça. Parce que juste avant la nidation, vous avez l'ovule, le spermatozoïde qui se rencontre. Et là, il y a un reset qui se forme. Un reset, c'est-à-dire qu'il va y avoir un balayage, le corps, il y a une réaction où on supprime toutes les méthylations. À peu près tout, sauf les gènes de l'empreinte parentale et aussi 116 000 gènes, vous voyez, on a même le nombre exact,
qui sont les transposons. Les transposons, alors ça, c'est marrant, ce truc. C'est des morceaux d'ADN qui sont partis d'un chromosome, qui sont partis sur un autre chromosome. Ça s'appelle un transposon. Il a été transposé. Et ça, s'ils sont méthylés, ils resteront méthylés. Du coup, les effets transgénérationnels sont limités, puisqu'il y a une espèce de reset qui se fait au moment, juste avant l'anidation. Heureusement, parce que sinon, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de pathologies de ça. Et il y a un deuxième reset qui se forme un peu plus tard. Mais bon, ça, je passe. Vous voyez, bon, il y a quand même une certaine protection physiologique, mais qui n'est pas suffisante parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des gènes qui ne sont pas concernés par la déméthylation de ces gènes. Alors, il y a d'autres facteurs qui sont à prendre en considération. Les effets toxiques, même à très faible dose, et je vous en ai parlé, je vous ai dit pourquoi. Les effets cocktails, c'est l'association tout le long de sa vie de plusieurs toxiques. L'ordre d'exposition. Alors là, on s'est aperçu d'un truc chez la femme enceinte. En fonction de l'ordre d'exposition des molécules des toxiques, on peut avoir des effets différents. Ouais. Et le moment d'exposition, alors ça c'est surtout chez la femme enceinte, au moment d'exposition, j'ai lu le rapport de l'ARS pour les Sanpazan, là. Ils devraient retourner à l'école, ou alors aller aux États-Unis. Hein. Les leucémies chez les enfants. Ils devraient aller aux États-Unis prendre des cours d'épigénétique. Et puis il y a le délai de latence. Hein. C'est sûr, on est en train de dire. Ouais, les gens ils développent des cancers, des maladies chroniques, mais c'est parce que la population vieillit. Les cancers chez les enfants, ok. Durée de latence, c'est sûr, au niveau de l'épigénétique et des lésions des chromosomes, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, puisque c'est par petite dose que ça se fait. Alors, faut pas exagérer, quoi. Les pathologies qui apparaissent à partir de 50 ans, Parkinson, Alzheimer, les maladies cardiovasculaires, les cancers, ok. Puis les leucémies chez les enfants, c'est des toxiques qui ont été vraiment dans la petite enfance et pendant la grossesse, quoi. Et puis les métaboliseurs lents. On s'est aperçu que chez les enfants qui développaient des leucémies, ils métabolisaient lentement les toxiques, c'est-à-dire qu'ils les détruisent lentement. Donc, ils ont une action beaucoup plus prolongée. En résumé, on va passer à quelque chose de plus intéressant maintenant, moins scientifique. Donc, notre environnement, nos comportements, notre alimentation peuvent intervenir directement sur nos gènes, c'est de la génétique, là, en provoquant des lésions des gènes qui peuvent être réparées ou entraîner la mort de la cellule, entraîner des cancers ou des mutations, ou alors sur l'épigénétique en provoquant des pathologies ou des améliorations de notre santé ou des informations néfastes ou bénéfiques transgénérationnelles. Ok, c'est bon? Ça n'a pas été trop compliqué, trop dur? Non? Ne regrettez pas d'être venu. Et maintenant, quelques exemples. Alors là, bon. Ah oui, la souris. J'ai une belle souris jaune, là. Alors, elle est obèse aussi, cette souris. La souris jaune est obèse, a un pelage jaune. Et puis, ce gène, alors le gène agglutive viable yellow, qui est un gène de couleur de pelage de la souris, comporte aussi d'autres éléments. C'est des souris qui développent obésité, diabète et certains cancers à cause de ce gène-là, qui aussi correspond au pelage jaune de la souris. Et puis, il y a un Américain qui a dit « on va essayer l'épigénétique, on va enrichir l'alimentation en vitamine B ». Bon, il n'a pas fait ça par hasard, il a cogité, il a essayé de voir quelles molécules pouvaient bloquer le gène. Et la souris, la descendance, elle est devenue grise, petite, elle n'était plus obèse, puis elle développait plus de cancer. Rien qu'avec l'alimentation, rien qu'en enrichissant en vitamine B, la souris change de couleur. Bon, ça, c'est pas important, elle devient plus obèse. Voilà, parce qu'on a bloqué le gène qui provoquait ça. Oh là! Non?
Alors, en 1944, la famine en Hollande. Alors, les armées hitlériennes ont provoqué un blocus en Hollande. Il y a eu une famine et puis il y avait des femmes enceintes. Les enfants qui sont nés étaient petits et plus tard, ils ont développé des diabètes, des obésités, des maladies cardiovasculaires et aussi dans la descendance. Et on a démontré que c'était un phénomène épigénétique parce que les femmes enceintes avaient été privées de certains éléments importants qui sont liés dans l'alimentation, comme les folates, certaines vitamines, enfin méthionine, etc. Donc c'est encore un phénomène épigénétique. Et voilà, pour maintenir un bon niveau de méthylation qui bloque les gènes, alors je vous dis, tous les jours, vous méthylez des gènes avec votre alimentation. Ça dépend, c'est variable. Donc il faut quand même un certain nombre d'aliments, méthionine, bétaïne, choline, acide folique, zinc, vitamine B12, voilà. Si on manque de ça, s'il y a une famine, on provoque des dégâts par phénomène épigénétique, simplement. Les gènes n'ont pas été touchés. Alors, oui, le glyphosate, transmission épigénétique transgénérationnelle. Alors, je vais souvent sur son site à Michael Skinner, c'est un laboratoire d'épigénétique de Washington, à l'Université de Washington. Au mois de mars, ils ont publié une étude qui est entièrement sur son site de laboratoire et qui a démontré que à des très faibles doses, même en dessous, inférieure à la moitié de la norme recommandée, alors c'est chez des rats, hein, j'ai marqué arrière-petits-enfants, là, mais il a fait l'expérience chez des rats, et donc on a des atteintes de la prostate, obésité, atteinte rénale, ovaire, chez les générations suivantes, pas chez les rats qui ont été soumis au glyphosate, hein, mais juste à la cinquième génération. Ça, bon, voilà, c'est Michael Skinner. Il est très connu. C'est pas n'importe quoi. Alors, là, on va aborder des choses beaucoup plus intéressantes. Les facteurs environnementaux. L'environnement comprend la température, le climat, les taux de cycle, le stress, la culture, le contexte social. De dire quoi ? Tout ça, ça peut agir en épigénétique ? Oui. On va le démontrer. Le travail par le stress. L'environnement chimique et physique, le travail de merde, excusez-moi, peu valorisant ou valorisant. L'environnement chimique, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, les polluants chimiques domestiques, pollution chimique de l'air, et puis tout ce qui est radiation naturelle, artificielle et ondes électromagnétiques. Les gens électrosensibles, ce n'est pas encore démontré, mais c'est un phénomène épigénétique. Voilà. Pourquoi, comment telle personne réagit à ces ondes électromagnétiques, c'est encore à démontrer et c'est assez compliqué. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur cette diapositive ? Il me semblait que j'avais autre chose, mais bon, ça reviendra peut-être. Oui, c'est pas grave. Comment ? Vous n'avez pas dit la pollution de l'eau, qui était marquée. Pollution de l'eau, oui. Vous l'avez lu. Oui, comme les radiations. Ou les rayonnements, des petites doses de rayonnement, comme je vous ai dit, pour Tchernobyl, où on a autant de cancers de la thyroïde dans les Ardennes qu'à Tchernobyl, quoi. Par exemple. Donc il y a des phénomènes épigénétiques, surtout si c'est la petite dose. C'est pas les fortes doses, ça tue les cellules. C'est vraiment les petites doses. Ah, modification climatique et épigénétique. Alors ça, j'ai adoré, là. C'est une botaniste, Caroline Dean, c'est une Anglaise. Hein, j'espère que vous n'avez rien contre les Anglais. Bon, la vernalisation des plantes. Certaines plantes doivent subir 3 mois de froid, 3 mois d'hiver pour pouvoir fleurir au printemps et donner vous nourrir. Et il suffit, pendant cette période de froid, de pics de chaleur, quelques pics, pour empêcher la vernalisation. Donc, le réchauffement climatique,
ça va certainement entraîner des problèmes d'alimentation. Et ça, c'est un phénomène épigénétique. Hein. Le froid bloque certains gènes, et à partir, mais il faut un blocage assez long. Et à partir du moment où ça se réchauffe, il y a un phénomène qui se crée inverse. Vous voyez que ça va loin. Hein. Les facteurs comportementaux. L'environnement relationnel, ça joue sur l'épigénétique. Alors, attention, hein, hein, les relations intimes, amoureuses, sexuelles, amicales et sociétales. Vous allez me dire, ça y est, qu'est-ce que Steve va nous faire ? Il y a eu une étude de fait chez l'Essor. Elles ont plus de cancer du sein. Alors, pendant un moment, on se disait, c'est parce qu'elles ont pensé que c'est parce qu'elles n'avaient pas de grossesse, quoi. En fait, c'est parce qu'elles n'ont pas de relations sexuelles. Voilà. Comme chez l'homme, l'absence de relations sexuelles entraîne des cancers de prostate. Chez l'homme aussi, hein, chez les chauffeurs routiers, par exemple, la position assise, par des effets de pression et des phénomènes épigénétiques, favorise le cancer de prostate. Bon. L'environnement émotionnel, joie, colère, notre rapport avec notre environnement, avec la nature, le stress, le deuil, les épisodes violents. On a constaté qu'après des guerres, des attentats, on a des phénomènes et puis, pathologiques qui apparaissent par phénomènes épigénétiques aussi dans les descendances. L'environnement sensoriel, alors auditif, musique, bruit, silence. Alors la musique, ça peut être bénéfique comme néfaste, hein. Ça dépend de quel type de musique que c'est. Le silence, 5 minutes de silence par jour, améliore la santé. Et phénomène épigénétique. Ça fait du bien. Moi, j'aime bien aller dans mon potager. Il est assez silencieux, assez, parce qu'il y a bzzz, les petites abeilles, les petits insectes, les petits oiseaux. Et ça, ça améliore. Alors, sans doute que ça, c'est déstressant. Mais tout ça, toutes nos réactions, il faut bien comprendre que c'est grâce aux gènes et à l'épigénétique qui modifie en permanence l'action de nos gènes. Hein, le visuel, hein, entre quelqu'un qui est au bord de mer ou en pleine campagne, qui voit des grandes étendues, et quelqu'un qui, à Paris, ouvre sa fenêtre, et puis à 2 mètres, il y a un mur, il y a des phénomènes qui se réalisent, qui se créent, et c'est des phénomènes épigénétiques. Hein. Le toucher, connaissance de soi, massage, ça, voilà. Le goût, l'odorat, peuvent avoir des actions bénéfiques. Un commentaire ? Non. Les activités physiques, oui. Le sport, bien, mais pas trop. Il ne faut pas que ça soit non plus trop important. Le repos, le sommeil, le gymnastique, sport, relaxation, la méditation, le yoga. Hein, apprendre à se relaxer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les mutuelles américaines, oui, parce que ça fait que je pense à des trucs. Souvent, c'est ça dans mes conférences, je pars sur un truc, je pense à autre chose. Bon, c'est pas grave. Et dans les programmes de ces mutuelles, il y a du yoga. Hein. Yoga, comment manger, c'est de la gymnastique. Voilà, ça améliore la santé. Et puis, c'est des mutuelles privées américaines. L'année suivante, ils s'aperçoivent qu'il y a une diminution de la consommation de médicaments. De toute façon, les médicaments, c'est un produit chimique. C'est un médecin qui dit ça. Les facteurs alimentaires. Alors là, les abeilles. Ah, les abeilles. Vous avez des larves. Si la larve est nourrie uniquement à la gelée royale, elle va se développer en 13 jours et on va avoir une reine. Une reine dont la durée de vie est supérieure à 2 ans et qui va créer un tas de larves. Elle fait que ça, elle se repose, elle est dans la ruche, elle pond les larves. Bon. En fait, je n'ai pas parlé des mâles, des bourdons. De toute façon, ils ne font rien. Non, ce n'est pas toujours le cas, il ne faut pas exagérer. Hein. Et là, le régime des ouvrières, c'est du miel plus de pollen. C'est tout.
Et elles deviennent des ouvrières. Elles vont vivre 3-6 semaines. Elles ont des ovaires inactifs, c'est-à-dire qu'elles ne pourront pas avoir de larves. Alors, vous allez me dire, ah, l'âge l'air royal, c'est super. Pas forcément. C'est parce que l'âge l'air royal va bloquer certains gènes. Ça va plus. Il y a des produits dans l'âge l'air royal qui provoquent de la méthylation. Par contre, dans les pollens, oh, je ne vais pas vous le dire tout de suite, on va vous le dire après, si j'y pense. Dans les pollens, il y a des micro-ARN. Vous savez les micro-ARN que je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont créés par l'ARN, par l'ADN non codant, hein, et qui se baladent un petit peu partout, et qui provoquent des méthylations. Donc, il y a... Alors... Donc, ah ben voilà, c'est marqué en haut, oui. Je ne savais pas. Ça doit être moi qui ai fait la diapositive. Bon, alors il y a des apiculteurs qui se sont dit, tiens, ben, on manque de rennes, on va fabriquer des rennes. Ils ont pris des larves, ils ont leur donné de l'agelaire royal, et ils ont eu des rennes. Effectivement, ils ont eu des rennes, mais elles étaient moins performantes. Parce que il manquait quelque chose, le contexte social de la ruche. Alors, l'alimentation est très importante, mais le contexte social faisait que ces rennes étaient moins performantes. C'est fou, hein? Puis alors, c'était assez marrant, parce que la reine va émettre des phéromones, et comme ça, va donner des ordres aux abeilles, aux ouvrières, et... Les ouvrières vont changer parfois de technique, elles vont aller chercher d'autres pollens, c'est la reine qui commande. Puis si d'un seul coup, les ouvrières s'aperçoivent qu'il y a moins de phéromones, elles s'inquiètent. Qu'est-ce qu'elles font? Ben après, elles se disent, oh là, notre reine, elle est malade, elle ne va pas tarder à mourir, et ils préparent un nid pour la prochaine reine. Vous voyez, la chimie, comment c'est fou, hein. Alors, les facteurs alimentaires. L'alimentation, on va rentrer là dans un truc qui va vous plaire. C'est un facteur très important. La composition des repas, bien sûr, l'équilibre alimentaire, la chronobiologie en fonction de... Vous n'avez pas marre d'entendre équilibre alimentaire et jamais de définition derrière. Non, je vais... Les questions à la fin, s'il vous plaît. L'équilibre alimentaire, c'est surtout l'équilibre entre glucose, protéines, lipides. Mais ça, on sait très bien que voilà, les sucres rapides et la viande, il n'en faut pas trop, quoi. Il faut limiter les sucres rapides puis la viande. Et puis la chronobiologie, faut mieux manger les graisses et la viande le matin, et puis le soir, pas du tout, quoi. Hein? La santé, ben, c'est aussi le goût, le plaisir et l'impact climatique. Hein, parce qu'en fonction de la manière dont l'on mange, on peut avoir un impact climatique différent. Puis, un exemple. L'exemple suédois. On a trouvé un truc. Il y a des garçons en prépuberté, vers 11-13 ans, qui ont eu une alimentation riche. Dans leur descendance, c'était la seconde génération, ils ont développé des maladies cardiovasculaires et des diabètes. C'est assez marrant, quoi. Alors, le bio, bah, c'est important. Absence de pesticides, parce que, bon, il ne faut mieux pas rajouter des produits chimiques. Et une meilleure qualité nutritive et la présence de composés bioactifs alimentaires. Alors ça, je vais vous en parler. Et vous allez trouver ça énormément intéressant. Donc, on met de côté, j'en parle après. Et puis, le respect des saisons. On n'est pas des plantes, mais quand même, regardez les plantes, elles ont le même génome, les mêmes gènes du 1er janvier au 31 décembre. Pourquoi elles changent d'aspect? L'arbre qui change d'aspect. Ah, l'influence des saisons sur l'épigénétique. Et probablement, on est pareil. Alors, probablement, bon, il y a beaucoup d'hypothèses, mais il faut falloir démontrer tout ça. Il faudrait pouvoir respecter aussi, nous, le rythme des saisons et puis les légumes des saisons, pratiquement.
Donc, les glucides, les protéines, les lipides, les vitamines, ok, mais aussi les composants bioactifs alimentaires, et certains aliments seraient à favoriser, et là, je rentre dans le vif du sujet. Je regarde l'heure pour savoir si je ne dépasse pas de trop. Alors, c'est quoi ? Ben, c'est des molécules qui sont dans les aliments. Ce n'est pas des glucides, ce n'est pas des lipides, ce n'est pas des protides, ce ne sont pas des vitamines. Voilà, c'est autre chose. Et ils ont des actions épigénétiques qui sont vraiment très différentes. Et ce sont de puissants antioxydants, beaucoup plus puissants que les vitamines. Alors, ils ont des actions préventives, cardiovasculaires, neurologiques, anticancérigènes. Et là, je vais vous présenter quelques exemples. Alors, on va commencer doucement. Il y a les polyphénols. Les polyphénols, c'est une grande famille. Alors, il y a les polyphénols du thé vert. Puis, dans les polyphénols, il y a les flavonoïdes. C'est à peu près 5000 molécules. Il y a la quercétine du cap, la livèche, du cap et de la livèche, pardon. Les isoflavones, l'isestine, l'iazéine, du soja. Alors, il y a un truc qui m'a fait marrer il n'y a pas longtemps. Ça, c'est des phytoestrogènes. Et puis, c'est l'ANSES qui a sorti. Ouais, les Français, ils mangent trop de soja parce qu'il y a des phytoestrogènes, c'est des perturbateurs endocriniens. Il faut diminuer la dose de soja. Je pense que là-dessous, il y a le coup des lobbies de la viande qui ont dû intervenir. Parce qu'en fait, à petite dose, les phytoestrogènes du soja ne seraient pas très recommandés. Ils sont recommandés à forte dose. Et l'ANSES dit le contraire. Donc, je suppose que là-dessous, il y a autre chose. L'épigénine du persil, le resvératrol du raisin. Je vais revenir sur tout ça. C'est simplement là, on aborde. Donc, vous voyez, il y a un tas de choses comme ça et dont on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Les flavonoïdes. Ils sont tous des antioxydants. Donc, certains ont des protège les maladies cardiologiques, ce sont des anticancéreux, et puis certains flavonoïdes, pas tous, provoquent ce qu'on appelle l'apoptose des cellules cancéreuses, c'est le suicide des cellules cancéreuses, par effet épigénétique. Il y a aussi des flavonoïdes qui provoquent, les cellules cancéreuses sécrètent des substances qui empêchent les globules blancs de détruire les cellules cancéreuses. Et il y a des flavonoïdes comme ça qui empêchent les cellules cancéreuses de produire ces substances-là. Alors, un coup de projecteur sur les flavonoïdes dans les plantes. Le raisin, le resvératrol. Alors, le resvératrol, c'est un truc assez marrant. Et là, il n'y a pas longtemps, je voyais, il faut boire du vin. Parce que c'est bénéfique. Ah, c'est encore un coup des lobbies, là. Parce que, en fait, il n'y a pas que le vin, il y a le raisin, c'est surtout le raisin. Et le resvératrol, il se forme si le raisin est attaqué par des germes, des microbes ou des champignons. Alors, culture conventionnelle, ils ne sont pas attaqués parce qu'ils sont tellement traités que le resvératrol ne se forme pas. Donc, c'est uniquement dans le raisin bio qu'il se forme. Donc, là, on nous raconte. En plus, il y a eu un article dans Le Monde là-dessus, le resvératrol, enfin bon. Les légumes crucifères, les sulforanes. Alors, il y a dans les légumes crucifères, c'est tous les choux, les navets. On va voir ça tout à l'heure, je vous ai mis la liste. Le sulforane, non, le glucose. Raphane est transformé en sulforane par une enzyme qui est dans la plante que si la plante est attaquée, mordue, c'est-à-dire par des insectes, etc. Donc, si ce n'est pas bio, elle ne sera jamais attaquée par les insectes, parce que c'est les insecticides. Et puis, le problème, si vous avez un navet ou un brocoli qui est en bien entier, qui n'a pas été attaqué, si vous faites cuire comme ça, vous détruisez l'enzyme. Donc, le sulforane ne va pas apparaître. Donc,
il faut, pour faire cuire le brocoli, il faut faire cuire très peu, mais alors il faudrait le couper en plusieurs morceaux, et le laisser comme ça une demi-heure, 30 minutes à une heure, pour que l'enzyme ait le temps de fabriquer le sulforane. C'est une molécule de défense, mais qui a des effets épigénétiques très très importants dans le corps humain. Alors moi, à la maison, ce qu'on fait avec les navets, c'est pas terrible, mais alors, c'est pas terrible. On fait des carpaccio de navets, mais c'est excellent. Et au moins, en coupant comme ça, on a la réaction chimique, on a des sulforanes. Alors, c'est vrai que c'est comme le radis noir. Dans le radis noir, il y a des sulforanes qui apparaissent. C'est quand on croque. Bon, ça a des goûts particuliers quand même. Si on fait du radis noir râpé, on sent le dégagement de cette odeur. C'est l'odeur de sulforane. Alors, un autre truc, les légumineuses, les flavonoïdes dans les légumineuses. Alors, c'est un truc marrant. La plante, la légumineuse, dit « Tiens, je sens, il y a une bactérie dans la terre. Au niveau épigénétique, elle va fabriquer des flavonoïdes pour attirer la bactérie. » C'est une bactérie genre rhizobium. La bactérie arrive, se loge dans les racines de la légumineuse. La légumineuse fournit du carbone à la bactérie et la bactérie, en échange, va fournir de l'azote. Ça puise dans l'air, mais de l'azote assimilable. Et pas besoin d'engrais. C'est formidable. Cohabitation, germe, plante. Et le truc super, c'est que ces flavonoïdes sont de puissants anticancéreux chez l'homme. Mais alors, si on fait de la culture conventionnelle, on détruit les bactéries dans les sols. Et voilà. Alors, on va rentrer un petit peu plus. Je vais prendre quelques exemples. Le curcuma, vous avez tous entendu parler. La curcumine, c'est bon. Alors, j'ai mis un petit peu plus, j'ai mis les effets anti-inflammatoires, anti-cancer, et puis là, les mécanismes d'action épigénétique. C'est le seul que j'ai mis, parce que tous les autres, si on rentre dans tous les détails comme ça va être très compliqué. Et vous voyez, je ne vous raconte pas des bêtises, on a vraiment les modes d'action. Alors, particularité de la curcumine, c'est qu'elle est très mal absorbée au niveau de l'intestin, et puis elle est très vite détruite au niveau du foie. Et ce qu'il faut faire, c'est associer à la piperine, poivre noir, qui permet une meilleure pénétration intestinale. Mais à la piperine du poivre noir, ça permet d'absorber aussi des vitamines et d'autres molécules aussi. La piperine a une action assez particulière. Ça va? Ça vous intéresse? Ouais, je ne suis pas trop enquiquinant. La grenade, bon, c'est pareil, la grenade, c'est des actions. La grenade, c'est beaucoup des actions anticancéreuses, mais prostate, fonction érectile, c'est meilleur que le Viagra. Il paraît que ça aurait des actions aussi aphrodisiaques, mais on ne sait rien, ça. Par contre. Il faut boire du jus de grenade pressé parce que le principe actif, ces flavonoïdes, sont surtout dans les pépins et la peau. Donc, si on veut fabriquer soi-même son jus de grenade, non, ça ne marche pas. Ou beaucoup moins bien. L'ail, mettez de l'ail, pas cuit, hein, cru. Alors, naturellement, parfois, tu sens l'ail. Voilà, anticancéreux, antihypertenseur, activité antibiotique, le sulfure de dialyle, surtout de l'ail cru, vous mettez de l'ail cru haché, et améliore l'action du sélénium. Le sélénium, je vais en parler après, c'est une molécule qu'on retrouve dans la terre, mais les terres d'Europe sont très pauvres en sélénium, et on va retrouver surtout le sélénium dans la noix du Brésil. Et voilà, je vous l'ai dit. On en retrouve un petit peu aussi dans l'ail, dans le brocoli, mais il faut que ça soit vraiment cultivé dans des terres riches en sélénium, et en Europe, on n'en a pas beaucoup. Le noyer du Brésil, c'est un arbre qui est très grand, avec des racines très très profondes, et il puise le sélénium dans les terres du Brésil. Malheureusement, en ce moment, c'est en train de brûler, surtout que le noyer du Brésil, c'est un arbre sauvage.
À ce propos-là, la biodiversité, on est en train de faire disparaître un tas de plantes et je suis sûr que dans les plantes comme ça, on a un tas de médicaments, de principes actifs qu'on est en train de perdre. Donc il y a des combats de maladies qu'on va perdre à cause de la perte de la biodiversité. Les capres et la livèche. La livèche, vous connaissez ? C'est le riz perpétuel, là. Ça se cultive facilement, ça. Ouais. Ça a un goût de céleri. Vous faites ça en salade. Ça se présente comme ça. Ça pousse bien. Ouais. Alors, c'est surtout dans les capres et la livèche. Il y en a un petit peu dans le reste, dans les autres produits, là. Mais beaucoup moins. Donc, antioxydants, anti-inflammatoires, anti-mutagènes, ça empêche les mutations de l'ADN. Ça empêche la prolifération des cellules cancéreuses. Là aussi, ça provoque la destruction des cellules cancéreuses. Ce n'est pas des bêtises. Hein. Il y a même des cancérologues en France qui commencent à conseiller ce type de cuisine, ce type de produit. J'aimerais bien trouver un cuisinier et puis un ingénieur agronome pour faire un travail ensemble et puis faire une conférence à trois. Ça serait vachement marrant, je trouve. Allez, le thé vert. Alors, le thé vert, les polyphénols du thé vert, c'est énorme. Boire du thé vert tous les jours, c'est du thé vert bio. Hein. Antioxydant, antiprolifératif, anti-angiogénèse. Anti-angiogénèse. En fait, un cancer, ça va fabriquer un tas de vaisseaux pour se nourrir. Parce que c'est quand même un gros machin, il a besoin de se nourrir. Et donc, le thé vert empêche les cellules cancéreuses de produire ces vaisseaux-là. Donc, ça permet de... Mais vous savez qu'il y a des molécules comme ça qui sont utilisées en complément de chimiothérapie, par exemple, dans le cancer du sein. Ça permet d'améliorer le traitement et d'empêcher que les cellules cancéreuses deviennent résistantes à la chimiothérapie. Je ne sais plus lequel que c'est. Alors, le sulforaphane que je vous ai parlé tout à l'heure, avec l'enzyme qui s'appelle la myrosinase, qui est détruite par la cuisson, malheureusement. Donc, c'est la myrosinase qui transforme la glucoraphine en sulforaphane. Et bon, là, vous avez toute la liste, là. Beaucoup les choux, hein, quand même. Navets aussi. Mais si vous coupez avant la cuisson, puis une cuisson très légère, et vous attendez une demi-heure, 30 minutes, ou alors vous rajoutez un petit peu par-dessus de choux râpés crus pour rajouter de l'enzyme. Donc, le chouquel. Hein? Oui, il y en a. Oui, mais. Alors, resveratrol, je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein. Je vous ai expliqué comment il se formait, le resveratrol. Voilà, on a anti-cancer, anti-inflammatoire. Mais c'est surtout. Dont on le retrouve. On le retrouve surtout dans le raisin, mais on le retrouve dans tout ça, tous ces produits-là, dans tous ces fruits-là. Moi, je dirais à la limite, buvez des fruits rouges, des jus de fruits rouges. Les jus de fruits rouges sont excellents, hein. Ils contiennent beaucoup de produits très intéressants, un tanberge, ou les fruits noirs. Bio, bien sûr. Hein? Rhubarbe. La roquette, les ricines dans la roquette. Alors, les ricines, c'est contenu dans la roquette et le brocoli, uniquement, c'est tout. C'est les ricines qui a une sacrée action anticancéreuse. Prévention cancer de prostate, cancer de vessie, comme le sulforaphane. Mais la roquette, faut mieux prendre de la roquette cultivée parce que la sauvage, c'est quand même assez costaud comme goût. Hein. Mais c'est bon, hein, on mélange avec d'autres feuilles. C'est pareil, toute cette. Les isothiocyanates, ce sont des antioxydants. La lycopène dans les tomates, mais là, il faut le faire cuire, la tomate.
Parce que, alors je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas retrouvé, c'est beaucoup plus riche en lycopène une fois de suite. Mais là, c'est. Alors, il y a beaucoup de produits comme ça. Dans les flavonoïdes, il y a des flavonoïdes qui colorent le légume en rouge. On revient avec la couleur rouge. Et ces flavonoïdes-là ont des actions correctes. Par exemple, dans la tomate verte, on ne retrouve pas le lycopène. Hein. Oui, l'acide rosmarinique, le romarin, qu'on retrouve dans la sauge, menthe, basilic, sarriette, mais c'est surtout le romarin. C'est un antioxydant, anticancéreux, antiviral, anti-inflammatoire, un neuroprotecteur. Alors, romarin, vous allez me dire, faire cuire les viandes avec le romarin, c'est vachement bon. Alors, naturellement, s'il y a des véganes... Je suis désolé. Le persil, l'âche, antioxydant, anticancéreux, anti-inflammatoire. Les flavonoïdes, alors le cassis, la grenade, là c'est les prodelphinidines. Voilà. Je passe. Hein. Alors, la méthionine, vitamine B12, la méthionine, et puis c'est beaucoup de... Ça, c'est pour apporter des groupements méthyles pour méthyler l'ADN. Alors, donc, on en retrouve... désolé pour les véganes, mais on en retrouve beaucoup dans les viandes. Mais sinon, on en a dans le parmesan, le gruyère, les viandes blanches, les noix du Brésil. Alors, là, vite fait... Parce que bon, j'aimerais bien qu'on passe aux questions. Le gingérol, du gingembre, grosse activité anticancéreuse. Voilà, c'est la grande camomille, le parthénolide, qui s'oppose à la résistance tamoxifène dans le cancer du sein. Et là, il y a des associations comme ça. Aux États-Unis, ils font l'association. Alors, quels sont les aliments les plus intéressants? Bon, on va faire quand même un petit résumé, parce que bon, le curcuma, le jus de grenade, et aussi les jus de fruits rouges, le soja, le thé vert, le raisin, l'ail, tomate, noix du Brésil, tapre, puis tous les crucifères. Voilà. Le chocolat, hein, 2 petits carrés de chocolat par jour, c'est bon. Puis c'est bon pour le moral, ça fait du bien. Hein. En se disant, tiens, c'est l'heure de mes 2 petits carrés de chocolat et de mes 5 minutes de silence. Alors, photo prise à la maison. J'ai eu le droit. Qu'est-ce qu'il y a là? Tomate. Tout est en bio. Ail, huile d'olive, basilic. Bon, échalote, bon. Alors, voilà. Donc, là-dedans, dans une assiette simple comme ça, on a mis des tomates vertes parce que, bon, ça fait plus joli. Il y a aussi le côté festif aussi, le côté agréable qu'il faut préserver. Hein. Dans cette assiette-là, on a anticancéreux, antihypertenseur, activité antibiotique, antioxydant, anticancéreux. Et il y a du poivre aussi. Le poivre, c'est fou. Hein. Ça permet la biodisponibilité de nombreuses molécules. Quoi. Pour la curcumine, c'est multiplié par 20 la biodisponibilité avec la piperine. Ouais, c'est simple, hein, une belle assiette comme ça. C'est agréable et puis ça apporte plein de choses. Et ça, c'est carpaccio de navet à la coriandre. Hein, ou assiette de sulforane et d'ipigénine. Vous voyez ça au restaurant. Vous voulez une assiette de sulforaphane pardon, et d'ipigénine. J'ai écorché le nom tout à l'heure. Avec tous ces noms barbares, c'est quand même terrible. C'est joli, et puis c'est bon. Voilà, alors en conclusion, si on veut... Il faut éliminer tous les facteurs environnementaux néfastes, chimiques, pesticides, perturbateurs endocriniens.
les rayonnements, les radiations, et puis aussi agir sur nos facteurs comportementaux, comme le stress. Il ne faut pas être stressé. Puis alors, il y a des gens stressés. Hein. Moi, je vois sur, quand on conduit, il y a les fous du volant là, qui s'énervent. Vite, j'ai perdu 30 secondes, je double. Je ne mets pas mon clignotant, je grille un stop. Mais ils sont stressés, ces gens-là. Mais ils se font des dégâts au niveau épigénétique. Hein. Hein, bon, donc éliminer le stress et puis avoir une vie le plus agréable possible. Puis une alimentation saine en favorisant surtout certains aliments qui contiennent ces composés bioactifs. Bon, l'épigénétique, là, ça fait 30-40 ans que les États-Unis sont à la pointe là-dessus. On est un peu en retard. Il y a encore beaucoup de recherches à faire sur l'épigénétique parce que, bon... vu l'ampleur, vu les mécanismes, comme je vous ai expliqué, c'est un mécanisme très complexe. Il y a des choses qu'on ne connaît pas encore. Il faut essayer de déterminer tous ces ARN, ces micro-ARN, et leur fonctionnement. Mais je pense que bientôt, dans quelques années, c'est dommage, il n'y a toujours pas de médecin ici. Le médecin dira... Ah, je ne vous donne pas de médicaments, mais écoutez, je vous prescris. Vous auriez intérêt à boire tel jus de fruits, manger tel légume. Ça sera sans doute ça. Hein. Hein. Voilà, alors, d'un côté, il y a l'effet bénéfique. De l'autre côté, l'effet, la version toxique. Vous choisissez. Ça, il faut l'éliminer. Là, il faut aller vers la version bénéfique. Tiens, je reviens là. Voilà, c'est tout. J'espère que je vais passer assez rapidement sur certaines choses parce que je voudrais quand même qu'on puisse débattre. J'espère que ça vous a intéressé, que ça n'a pas été trop compliqué parce que je me suis dit au départ, oulala, comment je vais faire pour vous expliquer ça, l'épigénétique, les actions sur les gènes, c'est pas évident quoi. Et je bosse là-dessus en ce moment et tous les jours je découvre des trucs assez drôles, assez marrants. Et puis ce qu'il faut voir, c'est la vision globale. Que ça soit au niveau des cultures et des conséquences sur l'homme, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et à chaque fois qu'on a une action, on devrait avoir une vision globale avec toujours à l'esprit la question morale et la question éthique. Et puis, si on ne respecte pas l'éthique et la morale, eh ben, on met une croix sur notre recherche ou sur notre action parce que voilà, il faut respecter la vie, il faut respecter l'environnement, il faut respecter l'avenir et nos enfants et nos petits-enfants. Merci beaucoup.